Nous sommes donc sur ma chaîne et qu'est-ce que je vois? Oh, des commentaires. Alors voyons voir sur quoi ça nous mène. Ça nous mène donc à cette vidéo là, Sweet Pull Supreme Fake. Bon, avant de faire tout ça, c'est simple, il faut remettre tout dans l'ordre. Donc le principe de ma chaîne, c'est avant tout à la base d'avoir des réceptions. Donc après les réceptions, je me suis plus tourné vers les vêtements, voilà, parce que je voulais avoir un nouveau style, etc. Après, c'est parti vraiment dans le closing. Mais à la base, c'était vraiment recevoir des colis et déballer ce que j'avais. En gros, c'était des unboxings. Bref, en gros, ma chaîne, elle a changé depuis au moins un an. Je l'ai mis en mode 2.0, on va dire. Et tout simplement, je déballe plus, je monte directement le vêtement, etc. J'ai eu des problèmes de santé qui ne m'ont pas permis de travailler malheureusement parce que je ne touche pas d'argent avec YouTube. Donc j'ai eu des problèmes de santé qui ne m'ont pas permis de travailler et c'est pour ça que j'ai eu du mal à donner du contenu. Donc à chaque fois que j'avais un peu d'argent, voilà, j'allais sur Wish, AliExpress. Et ne faites pas genre, franchement, les haters, vous êtes complètement débiles ou soit vous avez vraiment que ça à faire. Mais enfin, c'est normal que je joue un peu la comédie. Enfin, je veux dire, je vous dis le prix, je vous dis sur quel site je l'achète. À un moment donné, oui, c'est obligé que ce soit du fake, il faut pas être débile. C'est pour vous faire participer que je fais, que je mets en place un peu cette scénarisation. C'est pour vous faire participer tout simplement. Sauf que oui, ça vous a fait participer, mais ça a fait participer beaucoup, beaucoup de gens haineux. Mais des commentaires affreux. J'ai eu des commentaires par rapport à ma famille, par rapport à plein de choses. Et je trouve ça complètement débile. Que ce soit du vrai ou du faux, ça change quoi entre nous? Ça change rien du tout. Juste que la personne peut avoir un avis négatif sur le fait que ce soit du fake. Ça c'est compréhensible, s'il aime vraiment la marque et tout, c'est vrai que bon bah du coup d'acheter du fake c'est pas très bon pour la marque, ça on est totalement d'accord. Mais bon, moi par exemple sur ce pull suprême, moi je l'aime beaucoup, ce n'est pas parce que c'est du fake que forcément c'est de la mauvaise qualité, et ça faut que vous vous mettiez dans la tête. Tu peux avoir un truc qui vaut 150 balles, tu pètes en 2-2 après une chute, et tu peux avoir un truc à 1 euro qui va te faire vas-y 10-15 ans, tu vois, c'est n'importe quoi, vous jugez par rapport au prix en fait. Ça veut rien dire le prix, rien du tout. Tu vois, là ça je l'ai payé par exemple, ça je l'avais payé je crois c'était 20 balles. Et bah voilà, c'est de la très bonne qualité, une porte chaud. Moi je le trouve super bien, en plus il est assez cool. C'est marqué Supreme avec un petit bar dessus, voilà. C'est pas pour faire genre j'achète du Supreme ou quoi. C'est vraiment parce que j'ai aimé le style de ce sweat, tu vois. C'est pas la marque qui importe. Du moins, sur mes dernières vidéos, c'était vraiment ça le message que j'essayais de faire passer. Donc, avant de laisser des commentaires, les gens, écoutez les vidéos. Écoutez. Faites attention à ce que je dis. Faites attention même aux autres youtubeurs, hein, bien évidemment. Faites attention à ce que je dis. Parce que je le dis forcément, le prix, c'est obligé. Je dis forcément, là où je l'achète, c'est soit l'un, soit l'autre, de toute manière. Donc, à un moment donné, si vous êtes un peu intelligent et si vous êtes fan de la marque Supreme, vous n'allez pas vous dire ah bah le sweat il a pu l'avoir à 20 balles et non, c'est clair que c'est du vrai, tu vois. Faut avoir un peu de réfléchi, enfin, ça paraît bête comme ça, mais je voulais juste vous faire participer, que voilà, vous disiez, il y en a, ils le font très bien, ils me disent tout simplement c'est fake, c'est sûr, ça suffit amplement, t'as pas besoin de le dire. Ouais, bah, t'es qu'un gros bouffon, tu sers à rien, vas-y, autant t'acheter un t-shirt chez Tati, etc. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui rabaissent vraiment, tu vois. Je veux dire, on est dans une société où maintenant, l'image est très très importante, et ça, c'est bien, oui et non, tu vois. C'est bien qu'on ait un style, qu'on se sente bien et tout, qu'on s'assume. C'est impeccable. Mais si on commence à se faire la guerre pour les marques, est-ce que c'est du fake ou pas? C'est n'importe quoi les mecs. C'est vraiment n'importe quoi, c'est complètement débile. Bref, le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui dans la vidéo, c'est peut-être un peu ennuyeux pour les abonnés qui auraient aimé avoir du contenu un peu plus meilleur. Et surtout plus intéressant et avec peut-être du closing. Mais ça, ne vous inquiétez pas, ça va arriver très très vite. À Noël, il y aura des vêtements, mais vraiment beaucoup, tu vois. Il va y avoir pas mal de trucs.
Et en plus, ça sera pas du fake. Donc là, t'auras rien le droit de le dire. Est-ce que je changerai les haters? On saura jamais, on saura jamais. Non, si on saura, on saura. En tout cas, merci du soutien pour ceux qui sont encore présents sur la chaîne. Les abonnés montent, augmentent. Ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir. Donc, lâchez-vous vos commentaires, il n'y a aucun problème. Mais juste, ne partez pas dans la haine et ne partez pas dans les insultes qui ne servent à rien. C'est juste des vêtements, les frérots. Donc, arrêtez de vous prendre la tête si c'est du fake ou pas. Moi, j'assume complètement porter du fake. Je veux dire, et je suis pas un vantard que ce soit sur tous les vêtements. Je peux avoir même, tu vois, j'ai une veste Jean de Paris qui est derrière à 395 balles, et bah tu vois, je la porte pas pour autant, et je vais pas me taper des photos avec H24, tu vois, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, tant que la personne se sent bien avec ses vêtements, balaye qu'après le regard des gens, fuck, mais tu vois, je peux pas rester insensible envers la haine que vous me donnez juste pour un prix et une fausse marque. Ça, je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant et même très grave de voir que bah, maintenant, tout peut être, comment dire, une manière de dire, bah voilà, bah, toi, je vais te faire la guerre parce que t'as un truc que j'aime pas trop, tu vois. Je veux dire qu'on peut pas être d'accord avec tout le monde. Les goûts, les couleurs, c'est... Voilà. Il y en a pour tout le monde. Donc arrêtez de vous faire la guerre pour rien. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura pas trop dérangé. Lâchez vos commentaires et des pouces bleus si ça vous a plu, si vous êtes d'accord, bien évidemment. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, restez connectés parce que je vous jure qu'à Noël, ça va bombarder, mais sévère. Hein. Je peux te dire que c'est moi votre papa Noël. C'est moi votre papa Noël. Bon, je vais pas vous offrir les vêtements que je vais m'acheter. Ça serait complètement débile. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais vous offrir du contenu, quoi. Voilà. Bon, allez. Peace. N'est pas sur moi.